Tipou les gens. Et bienvenue dans ce petit vlog, du coup spécial. Spécial. Quoi de neuf en confinement? Un petit peu. Voilà. Déjà, je vais relativement bien. Je tousse, mais je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. J'ai deux rendez-vous qui étaient particulièrement. Deux rendez-vous médicaux qui étaient particulièrement importants pour moi qui devaient arriver. Juste avant le confinement, j'en avais un le 17 et j'en avais un le 20. Le 17, j'avais rendez-vous avec le médecin légiste qui était censé dire si oui ou non j'allais pouvoir avoir ma mammoplastie. Donc, comment dire que ça a été reporté à une date inconnue, pour le coup. Voilà. Et le 20, j'avais rendez-vous avec une chirurgienne, rendez-vous préopératoire. Pour me soigner de mon insuffisance veineuse. Alors, l'insuffisance veineuse, qu'est-ce que c'est? En fait, la plupart des gens, leurs veines dans les jambes, elles font ça. Voilà, c'est tout droit, c'est une jolie courbe et tout, c'est smooth et tout. Les miennes, la grosse veine qui irrigue tout, elle fait la 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 la. Et du coup, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un petit peu, vous voyez, quand on dit qu'on a les jambes lourdes, vous imaginez la sensation que vous avez dans les jambes après 5-6 heures de randonnée? Bah, moi, c'est ce que j'ai si je ne mets pas de contention et que je marche 2 minutes le matin. Voilà. Du coup, je suis en collant de contention en permanence, sauf quand je dors. Pour empêcher ça, et ça fait un an que je porte des contentions maintenant. Et ce rendez-vous chirurgical était censé planifier une chirurgie pour que je puisse avoir des jambes qui fonctionnent normalement, entre guillemets. Et du coup, ça va pas avoir lieu. Je peux pas sortir pour recommander des collants de contention, donc mes collants de contention sont en train de se flinguer. Enfin bref, voilà. J'avoue que s'il devait y avoir un truc que j'aurais bien aimé avoir eu avant le confinement, c'est au moins la possibilité de ne pas être obligé de mettre ces foutues contentions tous les matins, quoi. Ça prend 1 minute 30 environ à enfiler. C'est méga relou. Alors il y a des bas de contention qui existent, moi au début c'est ce qu'on m'avait prescrit, mais le truc c'est que le bas de contention, il tient avec une sorte de. Tout un système en silicone qui est très. Qui colle très bien. Une paire de bas de contention, ça coûte 60 euros, hein, si c'est pas remboursé par la Sécu, donc c'est normal que ça tienne. Sauf que le principe de la contention, en fait, c'est que ça serre, c'est hyper. Ça tire, quoi. Et du coup, c'est comme si tu mettais des élastiques de caoutchouc et que tu les tirais vers le bas en permanence, toute la journée. Alors, il y a des personnes qui supportent ça. Moi, clairement, ça me faisait des grosses plaques gonflées qui irritaient à fond, etc. Donc c'était pas possible. Il y a les chaussettes de contention qui existent également, qui n'ont pas de silicone, elles, qui s'arrêtent ici. Mais sauf que moi, en fait, mon insuffisance, elle est dans toute la jambe. Donc juste ici, ça suffit pas. Donc du coup, je suis obligé d'être en collant tout le temps. C'est méga relou. Là, il fait chaud, il fait beau, j'ai juste envie d'être jambes nues et de pouvoir, genre, juste chiller un peu en pyjama, genre voilà, confiné au calme. Et non, faut que j'enfile, c'est ça le truc. Voilà. J'essaye aussi de faire du contenu pour vous qui êtes confinés, parce que je me doute que ça doit pas une période, que ça doit pas être une période facile, et du coup je me sens un petit peu un devoir en tant que vidéaste de vous apporter des trucs. Dans la pratique, je bosse pas autant que je voudrais, mais je bosse déjà trop Je suis déjà en train de me cramer là. Là, je sens que je suis déjà en train de me cramer et je vous apporte pas du contenu parce que je tourne beaucoup, je montre rien. Donc, forcément, c'est pas top. Ceci étant dit, là, bientôt, il va y avoir une vidéo sur mon rapport aux jeux vidéo et aux personnages que j'incarne dans les vidéos qui va sortir. C'est une vidéo très courte qui arrive bientôt. Il va y avoir des vidéos de parties de jeux de rôle que je fais, j'invite des personnes à jouer avec moi et du coup on fait du jeu de rôle en live sur Twitch et ensuite je vais le rediffuser sur la chaîne YouTube. Donc ça aussi ça arrive. Les Twitch ont déjà commencé, donc n'hésitez pas à me suivre sur
twitch.tv/youfi_tipui pour pouvoir voir ça en live. Voilà, il se trouve qu'il y a... Demain, on fait une création de perso. Donc, si vous voulez voir, viendez. C'est pas le plus intéressant, mais c'est sympa quand même. Et samedi, normalement, partie de jeu de rôle Warhammer, type un peu donjon. Ça devrait être plutôt chouette. Voilà. Et aussi, je devrais reprendre les streams de Alien Isolation. Je sais pas quand. Il faut que je me refasse un calendrier qui est un tout petit peu plus respectueux de ma santé mentale et de ce que je suis capable d'encaisser. Mais ça devrait venir. Et en parlant de jeux vidéo, je vois passer sur mes réseaux en permanence. Je veux dire, il y a deux choses dans mes timelines en ce moment. Le coronavirus et la Switch. Et je n'en peux plus. Je suis tellement beaucoup trop jalouse. J'en veux une, moi aussi. Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'avoir une Switch en confinement? C'est scandaleux. Je suis tellement la tristesse. Mais j'ai clairement pas 300 euros pour à dépenser. C'est juste n'importe quoi. Mais bon, bref. Voilà, si vous aimez un petit peu ce format de vlog pendant le confinement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais en faire plus. C'est quelque chose qui me prend pas des masses de temps, c'est relativement facile à faire. En tout cas, si le temps reste beau, c'est facile à faire, parce que j'ai pas besoin d'éclairage. Là, je suis en éclairage naturel. Ce qui me fait penser que j'aurais probablement dû... Enfin, si on n'avait pas emménagé à 3, j'aurais sans doute imaginé un studio ici, et ça aurait été... génialissime, mais ce n'est pas le cas, donc voilà. Mais du coup, ça fait une nouvelle chambre un peu chouette. Il va y avoir une vidéo où on bouge tous les meubles de la maison. Ça va être une grosse vidéo, ça aussi, ça arrive. Voilà. Des bisous plein comme d'habitude. Utip, je vous ai mis aussi le lien du PayPal si vous voulez faire un virement rapide sur lequel je puisse mettre le grappin rapidement. Vous êtes choupichou, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous, et restez chouette. Voilà, des bisous.